Je vous fais un petit tour. Ça n'a pas énormément évolué, mais bon. Là, le gros œuvre, il est terminé. Le gros œuvre est terminé. Donc ça, là, c'est une chambre. Ici on a un beau studio. Ici ça va être un studio. Je sais déjà comment je vais faire ça. Donc là clairement ce qui reste c'est il manque juste les finitions. Il manque juste les finitions. Donc le mois prochain, on va commencer par faire les carreaux. On va entamer les carreaux là, le mois prochain pour finir ça au plus vite. C'est pas facile. Alors le deuxième. Ah, ça c'est mon appartement préféré. Donc ça c'est une suite. Vous voyez là qu'on a enlevé les piquets, on voit bien. Une grande suite. Donc là il y aura la chambre, il y aura la cuisine. Et là on aura le séjour. Un assez grand séjour. Voilà. Avec une belle hauteur sous plafond. De belles grandes baies vitrées. Et ici, on a une salle de bain. Assez grande, hein. La salle de bain doit faire au moins 4 mètres carrés. Voilà. Avec une fenêtre là aussi. Voilà, ça c'est la suite. Et là on a le studio. Voilà, donc ici on aura une kitchenette, cuisine. Là on aura la salle de bain, donc avec les toilettes là, une douche là. Pareil, une grande baie vitrée. Donc on aura le lit ici. On aura la télé là. Voilà. Donc pareil, ça aussi c'est un bon studio. On va faire quelque chose de moderne. Donc on va dire au premier étage, ce sera vraiment, hormis le studio, ça va être quelque chose de classique, normal. Puis après, plus on monte, plus on aura du haut de gamme. Voilà. On monte au troisième. Ils avaient coulé la dalle. Donc on va monter. Hop, faut faire attention. Hop. Donc là, au troisième étage, ce sera un appartement complet, donc avec une chambre. Voilà, une chambre. Ici, dès qu'on rentre à droite, donc là, en fait, ici, il y aura une porte. Soit ici, soit au deuxième, avant de rentrer. Et cet appartement aura accès à l'étage, la terrasse. Donc pareil ici, on est dans le séjour. Séjour avec une salle de bain, pareil. Salle de bain, toilette. Être là et pareil, un grand séjour, des grandes baies vitrées, toujours une belle vue. Et là, il y aura une très grande chambre. Clairement, on peut dire que la chambre là sera très grande, très très grande chambre. Je pense que la chambre elle seule a fait au moins 40 mètres carrés. Puis la salle de bain. Voilà, salle de bain. Donc voilà, ça c'est une très grande chambre ça. Très grande chambre, donc il y aura le lit. Je vais mettre
un meuble là-bas ou une armoire. L'armoire, je la mettrais plutôt ici. Je mettrais un bureau là-bas. Avec une grande baie vitrée. J'ai insisté hein, sur les baies vitrées. Vous voyez, on est monté à 12 lits, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. 12 lits. Avant le chaînage, d'habitude, si c'est 10, j'avais demandé 12. Attends, Loïc, j'arrive. Puis après, quand l'appartement, on arrive là-haut, sur la dalle, et voilà. Voilà la vue qu'on a. Là, après, voilà, on voit le pont. On voit aussi bien Kinshasa. Là, c'est Kinshasa, on voit bien. On voit beaucoup de choses. Voilà. Donc ici, il y aura les fûts. Il y aura les fûts et toute la zone qui est là, toute la partie qui est là, ce sera une terrasse. Donc il y aura l'entrée là, une terrasse. Puis voilà, après ici, ce sera la zone, il y aura, ce sera la zone technique, on va dire. Donc voilà, on est arrivé à la fin du gros œuvre. Là, c'était dur. Là, ils vont juste continuer à mettre, ils vont protéger la cage d'escalier. Puis ce sera terminé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, je vais mettre un guide et je mettrai aussi le lien pour un appel si vous avez besoin d'être accompagné. Et voilà, parce que je pense que si vous n'avez pas d'expérience là-dedans, c'est mieux. Il y a beaucoup de choses à connaître et à savoir quand vous ne maîtrisez pas ça, surtout si vous faites ça à distance. Donc c'est mieux de se faire accompagner. Donc voilà, cette vidéo. Et prochaine vidéo, j'espère que je pourrai vous montrer au moins avec une pièce finie.